Si elle m'avait dans l'esprit de péché, mais il avait quand même. Okay. Or, mais les musulmans ne vont jamais vouloir aller à l'église. Alors, comme s'il avait envie d'aller à l'église, si on le voit qu'il est à l'église, ils vont le poursuivre. Or, s'il rentre à l'émoin, il n'aura pas de problème. Pour lui qu'il vient, il écoute l'évangile. C'est ce qu'il dit aux gens, soyez intelligents. Or, où on a pris un poisson, c'est pas dans l'eau. Or, Jésus dit, je vous ferai de vous les pécheurs d'âme. Il faut crier l'eau. Prendre les poissons dedans. C'est un gars de hier. Or, si c'est l'église, les gens ne vont pas mettre les pieds là-bas. Mais s'ils mettent les pieds là-bas, comment on les voit sortir? Ils voient les problèmes. Or, si c'est les moins, les moins, quand on dit, mais les pieds, les moins. Or, en venant les moins, il y a un message qui va entendre. Il sera bouleversé sa vie. Donc, demain, dimanche, nous aurons un grand concert. D'abord de 9h à 12h, nous aurons le culte de la Pâque. Entre midi et 2h, nous aurons la capée. C'est-à-dire que nous avons pris en charge de nourrir 2000 personnes. Nous allons nourrir 2000 personnes entre midi et 2h. Le soir, à partir de 19h-20h, nous démarrons un concert. Un concert live. Il y a des artistes qui sont là, qui sont avec nous. Il y a Manan Campes et Félix, qui viennent nous égayer. Avec des speeches chrétiens, bien sûr, les choses. Pour faire, voilà, pour égayer le monde. Et nous aurons les témoignages des exorcismes, des têtes de personnes. Mais on n'a pas ces symboles de délivrance. Ces personnes venant rendre le témoignage. Et avant les témoignages de la personne, nous allons projeter session de délivrance. Et les aveux de cette personne. Et la personne devra rendre témoignage de sa nouvelle vie. Amen. Et le soir, ça sera un dîner gala. Amen. Nous allons encore nourrir 2000 personnes. Les poulets, les poissons, la braise. Amen. Tous à repos va venir. J'avoue, Aïe. Amen, c'est une fête. Tout le monde va venir pour cette fête. À partir de demain. Alléluia. Et j'ai dit, ceux qui viendront. Si j'ai dit ça, vous allez gâter mon nom là-bas. Je ne veux pas. Amen. Amen. Donc, venez-vous tous. Aïe. Dimanche, vous pouvez prendre un convoi, venir. Aïe. À partir de demain. C'est ouvert le centre de le fait que et le moins maquillé, le moins c'est la sortie de Digo. C'est un village, c'est accès à tout le monde, c'est gratuit. Vous faites le matin, restez jusqu'à le lendemain, il y aura de la nourriture pour tout le monde. Voilà, donc à partir de demain, vous pouvez prendre un convoi à venir, vous serez hébergé sur le champ, là sur place, s'occupera de vous, parce que nous autres, nous faisons la promotion de Jésus. Nous parlons de Jésus. Nous mettons les grands moyens dedans. Vous gagnez les païens à Jésus. On dit Amen. Voilà, donc tout à l'heure, je vais vous répartir à Thibaut. Parce qu'aujourd'hui, c'est un marathon, on va vous éprouver. Voilà, que Dieu vous bénisse. Qui a quelqu'un de béni? Vous ne parlez pas? Tu as quelqu'un qui est béni. Tu as encore quelqu'un qui est béni. Alléluia. Amen. Parce que la semaine prochaine, si Dieu voulant, je vais faire un voyage. Je vais partir un peu en Europe pour les séances de délivrance. Pour réveiller par la grâce de Dieu. On ira faire des délivrances en France, dans beaucoup de villes françaises. Et puis revenir, aller à Londres, revenir, aller n'est-ce pas aux États-Unis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Notre base, c'est Saroko. Amen. Notre base, Amen. C'est ici. Amen. Amen. C'est ici. Amen. Tiens, quelqu'un, tu es béni. Nous allons construire une synagogue, un grand temple à la gloire de Dieu. Depuis que nous sommes dans ce village,
les gens n'ont plus confiance à leur village. Wow. Et j'étais celui-là en début d'entrée scolaire. À la rentrée scolaire, j'ai fait un don à l'école de Zaroko. Moi, je ne veux pas Zaroko développer. Si je reviens de l'Europe, je vais réhabiliter vos dispensaires. On va réhabiliter ça. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans santé. Quand tu vois que je dépasse le dispensaire, j'ai un percement dans le cœur. Je pense à une femme qui est en travail. Si il n'y a pas un infirmier, il va prendre la grossesse. Or, l'église doit apporter une contribution. L'église doit aider. C'est pas les 4 000. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons partager. Bon, si on ne partage plus, ce qui a problème, vous savez, il y a des éléments tels que le partage. Or, la Bible dit que Dieu a aimé, il a donné. Donc, si vous voyez un homme de Dieu qui ne donne pas, il n'inimit pas Jésus. Or, la voix m'a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, j'imite Jésus. C'était un peu. Nous sommes en train de parler. Nous devons imiter Jésus, oui. Et après, j'ai dit, il y a quoi maintenant? On dit Amen. C'est-à-dire, donnez, nous devons partager. Il a atterri, ça y est, mais. L'église doit partager. L'église, c'est symbole d'amour. Alléluia. Dieu même a aimé le monde qu'il a donné. Or, quand tu ne donnes plus, tu ne pratiques pas l'amour. Le partage et l'amour. Nous devons donner, nous devons partager. Celui qui ne partage pas, il est démoniaque. On dit Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. La Pâques. Et que Dieu visite votre maison. C'est Dieu de vous. Dieu visite votre maison. Je suis obligé d'arrêter parce que s'il n'arrête pas maintenant, que j'arrête vers 10h, je serai épuisé. Je ne pourrai pas vous aider comme vous allez le gagner. Nous allons poursuivre le programme aujourd'hui à Divo. Et que Dieu vous fortifie. Dieu fera de vous des hommes puissants. Jamais. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Moi, si tu as problème de sorcellerie, il faut venir me voir. Ça va se régler. Je vais te réduire ça et proprement. Et bien. Il y a un monsieur qui a quitté à Soubré, il est venu ici, c'est qui? Comment vous souffrez ici? Il a quitté à Soubré. Il est parti. Où? Dans son village, il est parti. Mon il est venu, c'est son fils. Non, ils sont partis. Vous savez, il est venu, il n'a plus notre vue. On l'a dit au nom. Et puis il a commencé à avoir des riches. Il rentre ici, excusez-moi pour l'expression. Nous, quand on dit chiot, on comprend pas le français. Moi, je parle français des Zaroko. Amen. Chier, là, c'est français des Zaroko. Amen. Donc, il dit qu'il ne comprend pas. Alors, depuis la pénurie, là, il est ici seulement. Il n'y a pas de il dit qu'il est arrivé au centre là-bas, la Chine, là, on a rendu témoignage, la Chine. Il est grand. Il est pas le prophète, il va mener ça sur lui. Je lui ai dit, il est ça, il va augmenter. Et puis qu'on soule. Je lui ai dit, aussi ça. Et puis qu'on soule, c'est ça. Où je vais aller à la fin de l'île. Ah, là, Dieu est dit. Il voulait manger sa fille, c'est là. Babara, en France. Donc, lui, il est venu, la Bible l'a sur lui. C'est fini, il se retrouve. Il a écrit ce. Oui. Si vous avez vos parents sortis, envoyez-les. Non, lui, là, on s'amuse pas ici. On s'amuse pas ici. Quand on se voit les îles ce matin, on va prier pour vous dire Amen. On dit Amen. Amen. Elie la bana mo ma gere gemo ni ti na o mo so le fila gemo so yo na mo ma gere gemo gere gemo ni ti na o amo so le
Oh, yeah.
Thank you.
Thank you.